Alors bonjour à tous et bienvenue sur les berges du carpodrome de l'étang des Sources à Malzy pour une pêche de carpe en surface et à l'agrainage au pelé. L'été, bien souvent en fait dans les carpodromes, on a tendance à avoir énormément de poissons se balader en surface parce que comme je dis souvent aux gens, donc la carpe est tout sauf un poisson de fond. Et la pêche en surface à l'agrainage, ça rapporte vraiment plein de touches, plein de sensations. Alors c'est une pêche qui est très très dynamique, qu'il faut entretenir, mais en revanche qui est très productive parce que les poissons ont tendance à voyager dans les eaux qui leur conviennent un peu plus, là où ils vont trouver plus d'oxygène, là où la température sera le plus adaptée et surtout là où il y aura le plus de nourriture. Donc la mise en pratique est simple, mais demande en fait beaucoup beaucoup de dynamisme parce que comme vous allez le voir une fois que j'aurai épuisé mon poisson, Donc il faut pouvoir trouver la couche d'eau dans laquelle la carpe viendra se nourrir. Parce que toute la journée, on va jeter 3, 4, 5 pelés à la fois, donc toutes les 30 secondes ou toutes les minutes. Et puis on va mettre au milieu de ces pelés qui tombent notre ligne avec au bout, donc un pelé sur bague. Donc on a la possibilité de choisir différents diamètres. Aujourd'hui, j'ai pris le parti d'utiliser des 6 mm parce que je pêche à 10 mètres. Et que ça se lance très bien. Et donc à l'hameçon, il va falloir alterner les tailles en fonction de ce que les poissons souhaitent. Et souvent, en surface, on a tendance à attraper des très très jolis poissons qui sont très combatifs. Et surtout, le côté hyper intéressant, c'est que quand on les pêche comme ça, elles viennent vraiment manger. Donc 100% des poissons que vous allez prendre seront pris par la bouche. Donc ça, c'est vraiment chouette. Allez, elle se bagarre. Donc là, pareil, une fois que vous avez ferré un poisson ou que le poisson s'est ferré tout seul, ne tirez pas trop fort sur l'élastique. Laissez vraiment en fait beaucoup d'élastique en dehors de la canne parce que ça permettra à la carpe, quand elle va reprendre de la vitesse pour rejoindre le fond, parce que là, pour le coup, elle va essayer de rejoindre le fond pour se décrocher, vous allez avoir suffisamment de réserve d'élastique pour pouvoir suivre le mouvement. En plus, on ne va pas lui mettre trop de pression, donc elle va monter un peu plus gentiment. C'est-à-dire que je vais vous montrer, par exemple, là, je vais remettre un coup de strip. Donc là, on est sur un élastique qui est beaucoup plus tendu. Là, la carpe aura tendance à se défendre beaucoup plus fort parce qu'elle va vous rendre un peu toute la force que vous lui donnez. Donc, soyez pas trop agressif sur l'élastique. Parce que vous voyez, j'ai retiré. Et là, du coup, elle repart alors qu'elle venait gentiment. Ça, c'est vraiment génial. Et voilà, un beau poisson. Ouf. Donc on reviendra après en détail sur la ligne, sur le diamètre de la ligne, la taille de l'élastique, la taille de l'hameçon et les appâts. Allez, allô. Elle est belle, celle-là. Une belle écaille au milieu du corps. Ce qui est super sympa avec la pêche des carpes en surface, c'est qu'au niveau matériel, rien de plus simple. Donc, il vous faut une ligne d'environ 1m20, 1m50. Donc là, ici, je sais qu'il y a à peu près 2m50 de fond, donc à 10 mètres. Donc 1m20, ça sera bien parce qu'on sera dans le premier tiers de la couche d'eau, bien souvent l'endroit où ça se trouve, où se trouvent en fait les poissons. En termes de flotteur, moi aujourd'hui j'ai choisi un Dibber de chez Preston en 4x14, donc ça fait environ 0,35 g. Mais là, s'il n'y avait pas de vent ou peu de vent, j'aurais en fait utilisé un 4x12. Donc l'avantage du Dibber, c'est qu'on a un corps en roisselle avec un flotteur sans antenne, ce qu'on appelle sans antenne, ce qui permettra de pouvoir soutenir le poids du pelé, parce qu'aujourd'hui, on va avoir la possibilité d'utiliser soit des pelés de 8 mm, donc pour mettre sur la bague, ou alors utiliser les pelés que je vais jeter dans l'eau, donc 6 mm. On aura besoin d'une fronde, d'un petit bac, d'un sac de pelés. Donc là, en l'occurrence, c'est des fit pellette en 6 mm de chez Sony Bait. Donc là, j'ai un paquet d'1 kg et ça peut largement faire deux parties de pêche.
parce que bah, les pelés, on va les jeter 4 par 4. Une petite pince, donc pour pouvoir un petit écarteur de bague. Donc pour ceux qui n'arrivent pas en fait à mettre un pelé sans écarteur de bague, celui-ci est absolument magnifique. Puis en plus, le côté intéressant, comme chez Preston, c'est que ça flotte. Donc si ça tombe à l'eau, au moins on peut le récupérer avec son épuisette. Un dégorgeoir, parce que bien souvent, les carpes en surface ont tendance à avaler assez profondément les appâts, vu qu'elles viennent, elles montent, elles descendent en fait pour prendre les quelques pelés qui tombent, plus le vôtre. Un corps de ligne en 23 ou 25 centièmes, un bas de ligne de 10 cm, une plombée principale réalisée avec des plombs ronds. Moi, je préfère, pour les pêches de surface, utiliser des plombs ronds au plomb cylindrique, pour la simple et bonne raison, c'est qu'une fois qu'ils sont serrés, ils ne bougeront plus sur la ligne, donc ça n'abîmera pas le fil. Et pour les bas de ligne, comme à mon habitude, pardon, je ne me prends pas la tête. Donc, on a chez Preston toute une gamme d'hameçons montés. Donc là, on est sur les KKHB. En 14, 21 centièmes en bas de ligne, une bague, c'est parfait pour faire la journée. Alors les amis, point très très important, le choix de la tête d'épuisette quand on pêche avec un cheveu. Donc là, on a une tête d'épuisette, donc Quick Dry de chez Preston, donc avec une maille qui doit faire 4 mm, 5 mm, ça sera parfait. Aujourd'hui, j'utilise des pelets de 6 et 8 mm. Alors, l'important d'avoir une maille un peu plus serrée quand on pêche aux cheveux, c'est quand vous allez mettre votre carpe dans l'épuisette, bien souvent, on va avoir en fait le pelé sur la bague. Donc, si le pelé avait tendance à se coincer dans les mailles, les carpes, quand elles vont donner un coup de tête, ça va casser le cheveu. Donc, c'est très important d'utiliser ce type de maille quand on pêche avec un cheveu, avec une bague ou par exemple une baïonnette si on voulait pêcher au dumbbell ou toutes ces choses-là. La pêche en surface, c'est quelque chose de très ludique, de très rythmé. Donc, c'est très simple à mettre en place. Donc là, j'ai mis un pelé sur ma bague. Je vais engager ma canne. Donc, il ne faut pas vouloir pêcher très loin. Entre 8 et 10 mètres, c'est bien. Là, aujourd'hui, j'ai pris le parti de pêcher à 10 mètres. Donc, je vais mettre ma ligne au-dessus de l'eau pour le moment. Je vais prendre la fronde. Je vais mettre 4 pelés. Je vais tirer donc les 4 pelés en direction de ma ligne. Donc idéalement, il vaut mieux que les pelés tombent avant qu'après votre coup. Donc je vais déposer la ligne. Je vais à nouveau remettre 4 pelés dans la poche. Je rejette. Et là, à partir du moment où les pelés touchent l'eau, donc je vais lever la ligne et je vais la laisser retomber. Donc on va faire l'ascenseur avec sa ligne, donc en levant, en laissant tomber. En levant, en laissant tomber. Donc ça, c'est très important de garder ce rythme. Alors parfois, on peut laisser la ligne pêcher, c'est pas un problème. Mais en faisant ça, c'est-à-dire que on peut, suivre la descente des pelés que je viens de jeter dans l'eau. Donc les carpes, quand elles vont venir prendre les quelques pelés qui tombent dans l'eau, forcément, si votre pelé tombe en même temps que le paquet, bah, c'est magnifique. Parce que bon, bah, là, elles seront prêtes à prendre le pelé qui est sur votre bac, donc sur votre hameçon. Et donc, ça déclenche des touches. Côté super sympa aussi de cette pêche, c'est que dans les trois quarts du temps, on n'a pas besoin de ferrer. Parce que les carpes viennent, elles prennent et elles repartent comme des fusées. Donc bah, c'est l'élastique qui sort tout seul. Ça, c'est vraiment cool. Et donc voilà, il faut répéter l'opération. Donc toutes les 30 secondes, toutes les minutes, en fonction du rythme, en fonction de l'appétit des poissons. Donc c'est très important de ne pas mettre trop de pelés. Donc il faut vraiment en mettre 4-5 maximum. Pour créer justement une colonne régulière de particules qui tombent dans l'eau, pour créer ce qu'on appelle la compétition alimentaire, et pour que les carpes, à un moment donné, s'intéressent au pelé qui est au bout de votre ligne, et pas qu'au pelé que vous allez jeter à la fronde. Ça, c'est très important. Petite astuce aussi sur l'utilisation de la fronde, parce qu'on a souvent cette question, voilà, comment je peux utiliser la fronde en même temps que je pêche. Donc là, vous voyez, ma canne est posée sur la cuisse. J'ai mon avant-bras qui est posé de manière latérale, la main ouverte, donc comme ceci. Donc le corps de la fronde, moi à chaque fois je le prends, je le pose à plat sur ma cuisse, je vais me servir dans mon bac à pelé. Donc après avec l'habitude, vous verrez, entre les doigts, vous allez sentir que vous avez 4, 5, 6 pelés. Donc là je prends les pelés, je les mets dans la poche,
Donc ça me permet en fait de toujours tenir la canne, même en fait s'il y a une rafale comme là. Je prends le corps, je tire sur le corps. Ma main ici en fait reste fixe, celle qui tient la poche. Je tire sur mon corps, j'ouvre les doigts, hop, et voilà. Tout simplement. Donc je répète l'opération, je tiens la poche, je pose le corps à plat sur ma cuisse, je mets les pelés dans la poche, je tire, je lâche. Voilà. Alors dans un premier temps, vous pouvez vous entraîner avec une barre, et après, ben, il faut se forcer à prendre la canne dans les mains et à essayer, parce que ça vous permettra d'être dynamique, de pouvoir toujours animer la ligne et d'être dans votre rythme d'amorçage pour créer cette colonne d'alimentation et de compétition alimentaire. Donc je ne garantis pas qu'on puisse pêcher 12 heures de suite comme ça, parce que vous allez prendre beaucoup de poissons, ils se bagarrent beaucoup, c'est très dynamique. Donc quelques heures de pêche en surface, c'est vraiment très très intéressant. Et en plus, je trouve que c'est une technique qui est pas beaucoup utilisée en France, malheureusement, alors que au final, bah voilà, c'est redoutable. J'ai pas eu besoin de regarder ma ligne, j'étais en train de regarder Lilian, et puis bah, l'élastique est sorti tout seul, pendu. Et là, là, c'est des poissons vraiment puissants. Donc pareil, pour ce genre de pêche, le choix de l'élastique et du diamètre est très important. Donc, il faut volontairement sous-dimensionner le diamètre de l'élastique qu'on choisit pour pêcher en surface. Donc là, pour cette pêche-là, comme il y a un peu de fond, comme je sais qu'ici les poissons sont assez puissants, j'ai choisi d'utiliser un élastique de 2,4, un DuraSlip hybride de 2,4, qui sera absolument parfait, parce qu'il sera assez puissant pour contrer les poissons, et il aura suffisamment de souplesse pour pouvoir donner la possibilité au poisson de tirer fortement sur la ligne, sans décrocher et sans casser. Là, on aurait peut-être tendance, si on pêchait sur le fond, à utiliser 2,7, 3 mm. Mais là, pour les pêches de surface, c'est vraiment intéressant de sous-dimensionner l'élastique, parce que on a les poissons qui viennent à la surface et qui ont tendance à partir vraiment très très fort. Donc, si on avait un élastique beaucoup trop gros, on aurait tendance soit à les décrocher ou alors à casser. Alors, pareil, sur le choix de l'élastique, comme à l'hameçon, on va utiliser des pelés de 6 mm, je ne vais pas pouvoir utiliser un hameçon numéro 10. Donc là, je vais pêcher avec un numéro 14 qui correspondra parfaitement au diamètre du pelé. Donc si j'avais un élastique beaucoup plus gros, bah, y a vraiment de fortes chances que je décroche à chaque fois. Donc là, pareil, sur l'élastique, je n'ai pas encore tiré. Je laisse vraiment en fait, la carpe aller. Donc elle vient gentiment. Et si j'avais tendance à vouloir stripper un peu, bah, elle me rendrait ce que je lui donne. Donc alors c'est un peu galère, mais à un moment donné, elle va monter. Parce que là, elle se promène gentiment, alors que tout à l'heure, elle a fait un très très gros rush à la touche. Donc là, elle va repartir gentiment. Comme ça me permet de l'accompagner. Je ne suis pas pressé, je ne donne pas d'à-coups dans l'élastique. Comme on pêche avec des hameçons sans ardillon, forcément, le moindre mou est fatal. Donc là, au moins, je contrôle. Et elle va revenir gentiment. C'est pas une course de vitesse. J'ai tout mon temps. Il fait beau. Et ça mord. Alors pour ce genre de pêche, et surtout avec les combats que les poissons nous offrent, c'est vraiment très important d'avoir du matériel sans faille, et le flotteur en particulier. Donc on a la chance chez Preston Innovation d'avoir une gamme de flotteurs carpe qui sont, je trouve, géniaux, parce qu'ils sont juste au niveau du poids, et surtout, ils sont ultra solides. En plus, là, le D-Burr, il a l'avantage d'être... on a la ligne qui passe sur le centre du flotteur, et on a une gaine qui a été rajoutée dans le corps en roisselle pour que le fil passe sur le côté. Donc comme ça, on est sûr que le nylon ne cisaille pas le corps du flotteur. On a une quille qui est en nitinol, donc c'est un alliage composé avec du titane. Donc ça a aucune mémoire, ça se déforme et ça se remet en place. Et au moins, bah, à chaque fois que je vais remettre la ligne, j'ai pas de questions à me poser, le flotteur est toujours en place, je vais pouvoir prendre des centaines et des centaines de kilos de poissons. Ça, c'est vraiment chouette. Allez, ma doudou! Oh putain, mais c'est incroyable! Ça y est! Allez, voilà!
Alors moi, ce que j'aime ici, dans ce carpodrome, c'est que bah, les poissons ont toutes leurs nageoires, ils sont tout neufs. On a l'impression d'être le premier à les attraper. Donc c'est pour ça qu'elles sont aussi puissantes, elles sont lourdes, bien grasses. Et bon, bah, les carpes en surface, c'est génial, c'est l'une de mes pêches préférées, on va dire, en carpodrome. Allez, doudou, je te remets à l'eau. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc moi je pêche avec des bas de ligne. Et donc il y a une chose vraiment très importante et une règle très importante à respecter sur la connexion du corps de ligne et du bas de ligne. D'ailleurs, je vous incite à utiliser des bas de ligne, comme ça quand votre hameçon est moussé, abîmé, ouvert, parce que ça peut arriver, bah, vous ne touchez pas la ligne, vous avez juste un bas de ligne à changer. Donc là, je prends mon bas de ligne, donc ça c'est très important, je prends la boucle de mon corps de ligne, je passe la boucle du bas de ligne sur la boucle du corps de bas de ligne, de ligne, je vais passer la bague, l'hameçon, dans la boucle du corps de ma ligne, et je vais faire glisser le tout pour la connexion. Donc c'est très important de faire cette manipulation dans ce sens-là, parce que comme ça, un peu comme le nœud en 8, on va avoir le bas de ligne qui sera dans l'alignement de la ligne. Si j'avais fait l'inverse, ça aurait créé un angle, et donc la présentation du pelé n'aurait pas été correcte. Là, en faisant ça, on est absolument dans le corps, dans l'alignement de la ligne. Ce qui fait que quand je vais lever ma ligne et quand je vais la reposer pour que le pelé tombe, en fait, il va toujours tomber de la même manière, sans avoir tendance à vriller, parce que si on avait créé un angle, il aurait tendance à tomber en tournant. Et sur la présentation et la méfiance des carpes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Comment choisir la bonne profondeur d'eau? Là, ma ligne fait 1m30 de long, de l'hameçon jusqu'au sillon. Je sais qu'il y a à peu près 2m50 de fond. Donc de base, je vais commencer par pêcher dans 80 cm de fond. Donc là, je vais jeter des pelés, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Je vais analyser les indications de touches, toutes ces choses-là. Et tant que je n'aurai pas des touches où l'élastique va sortir, je vais rajouter du fond, 5 cm par 5 cm, jusqu'à trouver la couche d'eau dans laquelle les carpes vont venir prendre les pelés. Donc c'est là où je suppose qu'elles vont s'alimenter. Donc je fais ça, et en fonction de la journée, vous allez pouvoir changer donc le fond régulièrement, donc pour prospecter la couche d'eau dans laquelle les poissons ont décidé de se nourrir le jour où vous avez en fait décidé d'aller à la pêche et pratiquer cette technique. Donc j'ai volontairement une ligne avec, là pour le coup, un peu plus de 70 cm de bannière, donc qui me permettra d'avoir une réserve pour pouvoir en fait prospecter et aller de plus en plus profond si la pêche le réclame. Également, le côté intéressant de cette bannière, c'est que les carpes sont des poissons assez méfiants, donc ça me permettra d'avoir la canne décalée par rapport au flotteur et à l'impact du, j'irai des pelés. Comme ça, les carpes n'auront pas peur de cette ombre sur l'eau et donc auront tendance à venir chercher les pelés et votre pelé en confiance, on va dire. Et puis c'est vraiment la règle, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas de touche à vous faire arracher l'élastique, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne profondeur d'eau. Et de toute façon, cette bannière sera pas un handicap,
parce que déjà, bah, ça vous permettra, comme aujourd'hui, quand il y a du vent, de ne pas avoir la ligne qui saute dans tous les sens, d'être assez confortable. Et de toute façon, la carpe va prendre l'appât, va se piquer avec l'hameçon et va partir suffisamment fort pour, j'irais, tirer vos 70 cm de bannière plus l'élastique. Donc, c'est pas gênant, bien au contraire. Et en plus, comme ici, on est un peu surélevé par rapport à l'eau. Donc, pour les combats et la mise à l'épuisette, eh ben, ça vous laissera un petit peu plus de longueur, un peu plus de braquet pour pouvoir mettre confortablement la carpe dans l'épuisette en toute sécurité. Alors bien entendu, pour cette pêche, moi je recommande d'utiliser des pelets coulants. Ça paraît évident, mais c'est important de le signaler. Donc pour pouvoir créer un spectre et une colonne et concentrer les poissons droit devant vous, on pourrait très bien utiliser des pelets expandeurs, donc flottants, mais avec le risque, c'est que s'il y a du vent, vous allez décaler les poissons, vous allez en mettre partout, parce que forcément, comme ils ne vont pas couler, donc ils ne vont pas créer une colonne, ils vont s'écarter sur la surface, en tout cas tous les pelets qui ne seront pas mangés. Et donc là, toute la journée, vous allez voir les carpes gober à droite à gauche et vous n'allez peut-être pas forcément les prendre. Donc ça, c'est très important. Ensuite, moi, j'utilise cette technique avec un flotteur fixe. Bon, vous avez déjà entendu parler du jigger, très certainement. On peut très bien utiliser un hameçon simple avec un expander directement piqué sur l'hameçon, ça marche. On pourra aussi très bien fronder du maïs et pêcher avec un maïs sur l'hameçon, ça marche, sans aucun souci. Et d'ailleurs, il y a une très belle vidéo sur la chaîne Preston Innovation France avec Stéphane Jacob qui nous explique sa façon de voir les choses pour la pêche au jigger. C'est très intéressant et c'est vraiment un très bon complément de la pêche avec le flotteur que j'utilise aujourd'hui. Donc pour finir sur la partie choix du matériel, donc aujourd'hui j'utilise des nouvelles frondes Preston. Donc là, moi, ce que je recommande pour ce genre de pêche de 9 à 13 mètres, donc pour la pêche à l'égrenage de pelée de 6 et 8 mm, donc c'est les light medium. Donc c'est parfait parce que sans effort, vous allez réussir à propulser de manière très précise des pelées de tous les diamètres, donc à partir de 6 mm, donc de 9 à 13 mètres. Donc c'est vraiment light medium que je recommande, c'est top. Alors pour la pêche d'aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'essayer pour la première fois l'Euro XS Carp 600 en 10 mètres. C'est léger, c'est très bien équilibré, c'est très puissant, c'est parfait. En plus, les kits sont compatibles, les kits de ma Euro 1000 sont compatibles avec cette canne. Donc pour les pêches de bordure ou à mi-distance comme là entre deux eaux, c'est un très bon compromis. C'est assez rigide, donc il y a une tenue dans le vent qui est vraiment hyper intéressante et ça a vraiment, vraiment la caisse. Très belle canne. Je pense que c'est sur cette dernière carpe que ma journée va se terminer. Parce qu'après avoir répété presque 1000 fois le jet de la fronde, le ferrage et la puissance des carpes, j'ai fait une très belle partie de pêche. Quelques heures de pêche qui m'ont permis de prendre un peu plus d'une dizaine de poissons, très vigoureux. C'était top. Comme d'hab. Et donc en tout cas, la pêche en surface entre deux eaux des carpes l'été, c'est redoutable, quel que soit le plan d'eau. Je vous conseille vraiment, vraiment d'essayer. Moi, je me suis régalé encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook, Instagram, la chaîne YouTube. Il y a un tas de vidéos. Il y a un tas de choses en fait à trouver comme information, donc n'hésitez vraiment pas. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pêche, une nouvelle aventure. Et puis je vais essayer de mettre à l'épuisette cette jolie carpe commune pour finir ma partie de pêche en beauté. Allez, oh là là, ouf, j'ai mal aux épaules. Allez, viens doudou. Oh.
Là, je l'ai raté. Là, ça pourrait être le bêtisier. Je te jure, je fais pas de cinoche. C'est horrible. Allez. Allez, viens. Yes, I.